tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une routine vernis. Je commence par choisir le vernis que je vais m'appliquer et comme vous pouvez le voir, j'en ai des tonnes et ouais, je suis une vraie fille, j'aime trop les vernis, j'en ai de toutes les couleurs possibles et imaginables. Et cette semaine, comme je suis malade et qu'il fait froid à Paris, j'ai décidé de mettre une couleur foncée et j'opte donc pour un noir, un vernis noir de chez Marc Jacobs. J'ajoute à ça ma base de chez Kiko, la base matte 3 en 1, ainsi que mon top coat Essie. Je commence par prendre mes petits cotons imbibés de dissolvant que j'avais acheté chez Primark. Ils sont géniaux, vraiment, ils sont pas du tout agressifs avec l'ongle. Et je m'en sers donc pour enlever mon précédent vernis qui était tout écaillé, tout abîmé. Alors ça va déjà mieux, mais comme vous pouvez le voir, mes ongles sont assez abîmés. Je viens prendre mon petit ustensile, on dirait quelque chose de médical, mais rien de tout ça. C'est juste pour récurer sous les ongles et donc pour nettoyer le dessous de l'ongle. Je prends ensuite ce petit truc qui a 4 faces en fait, pour limer, polir, faire briller, etc. Et je viens limer le dessus de mon ongle. Cela permet en fait que la base accroche mieux et puis ça permet d'éviter les petits stries qu'il y a sur le dessus de l'ongle. Je viens ensuite les limer avec ma lime à ongles. J'essaye de faire à peu près un carré arrondi. Je viens reprendre mon petit polissoir et je reviens limer en fait l'extrémité de l'ongle parce qu'après avoir limé avec la lime à ongles, en fait il y a souvent des petits morceaux d'ongles qui sont restés accrochés et cet outil me permet donc de les enlever. Je viens ensuite polir à l'aide de cette face-ci. Et maintenant, je viens faire briller avec la dernière face. Comme vous pouvez le voir, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est déjà mieux qu'au départ. Maintenant, je vais venir appliquer ma base de chez Kiko, la base matte. Je l'adore vraiment, c'est une tuerie, il n'y a pas d'autre mot, elle est géniale. Je laisse sécher ma base et comme vous le voyez, elle a un rendu donc mat, elle ne brille pas. Et je viens appliquer par-dessus mon vernis, donc le blacker de chez Marc Jacobs, qui est un noir vraiment profond. Comme vous pouvez le voir, il a une couvrance parfaite. Il est vraiment limite une seule couche pourrait suffire. J'en mets souvent deux par précaution, mais vraiment, il est génial. Je viens ensuite appliquer donc ma deuxième couche.
Je prends maintenant mon top coat de chez Essie, qui va me permettre de faire briller le dessus de mes ongles et de protéger mon vernis. N'hésitez pas à être assez généreuse avec le top coat, ça sèche très vite et ça a tendance à bien faire briller et faire protéger le vernis. Avec un petit coton-tige imbibé de dissolvant, je viens enlever toutes les petites erreurs que j'ai faites sur les côtés des doigts. Et voilà le résultat. C'est vraiment une routine basique mais que j'aime bien réaliser dans la semaine, voilà. Je prends un petit peu de temps, je mets mon café à côté de moi, je regarde la télé et je me fais les ongles. Voilà, un vrai moment fille. À vous de me dire maintenant votre routine vernis dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye.